Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 30 septembre 2016, je vais faire une vidéo performance KDE. Cette vidéo, en fait, elle est inspirée de plusieurs commentaires et messages sur mon site ou même par le formulaire de contact par rapport au temps de chargement et aux performances de KDE Plasma. Donc, j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur avec une Fedora 24, tous les environnements de bureau Linux. Combien de temps ça faisait pour se charger, la mémoire utilisée, etc. Et ben là, je vais faire à peu près la même, mais avec KDE uniquement, et je vais changer de distribution Linux. Je vais regarder le temps de chargement de KDE Plasma, la mémoire RAM utilisée, le pourcentage de processeurs utilisés au repos. On va regarder vite fait les versions de KDE qui sont fournies dans ces distributions. Et si le thème par défaut respecte le thème de la distribution respecte le thème de KDE. Donc pour ce faire, j'ai monté une machine virtuelle, donc c'est toujours la même, avec 2 Go de RAM, 2 processeurs, j'ai mis 64 MO de mémoire vidéo. Et on va voir ensemble ces petits points, donc sur plusieurs distributions différentes. Donc les distributions qui vont passer au banc d'essai sont Calculate Linux KDE, donc installée dans sa version 15.17, puis mis à jour juste avant d'enregistrer la vidéo. Fedora 24 KDE installé avec l'image ISO de la Fedora 24 KDE, puis mis à jour mise à jour en date d'hier. Manjaro 16, enfin KDE, installé avec l'image ISO 16.08, puis les mises à jour faites jusqu'à hier. Linux Mint 18 KDE, avec les mises à jour faites jusqu'à hier. OpenSUSE LIP 42.1, qui était livré en version KDE 4, mais avec les mises à jour faites jusqu'à hier, on est en Plasma 5. Et je voulais tester Mageia 6, parce que Mageia 5 ne propose encore que KDE 4, mais Mageia 6, ça merde grave en ce moment, et donc pour des raisons techniques, je ne peux pas l'installer dans VirtualBox. Soit il n'y a pas d'amorçage, soit il n'y a pas d'affichage, donc c'est moyennement drôle. Donc sur ces 1, 2, 3, 4, 5 distributions, on va tester les petits points que je vous ai dit précédemment. Ah si, je vais faire une toute petite précision. C'est sur une option que j'ai désactivée, enfin que j'ai activée sur chacune des distributions Linux. C'est dans démarrage et arrêt, dans le KDE de chacune, session de bureau, j'ai coché la case démarrer une session vide. Parce que lancer les outils de mise à jour, lancer le panneau de configuration du système KDE et tout ça, je veux être sûr, quand je démarre la session KDE, j'ai aucune application parasite qui se lance. Voilà, donc je reviens, et on va commencer par la calculette Linux KDE Plasma. Donc je vais regarder le temps de chargement, la RAM utilisée, le pourcentage du processeur utilisé, le thème utilisé et les versions qu'on utilise dans chacune des distributions Linux, pour lesquelles d'ailleurs j'ai installé les additions invitées de VirtualBox pour être vraiment dans la même configuration. D'où le fait aussi qu'elles sont toutes installées en multi-boot sur la même machine, comme ça la configuration matérielle est identique pour chacune d'entre elles et les tests sont équitables. Donc pour la calculette Linux, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais noter 12 secondes. En fait, le repère de chargement complet de KDE, c'est que l'horloge du tableau de bord est complètement à droite. Côté mémoire utilisée, donc je vais utiliser qu'un sysguard. Et là, on constate qu'on a 0,43 Go utilisés. Et que le processeur oscille entre 0 et 2%. Le thème de l'environnement de bureau utilisé, c'est Breeze, comme les habitués de KDE peuvent constater. Voilà, apparence des applications, donc c'est Breeze. Et la décoration de fenêtre Breeze, donc ça c'est pour la petite partie intégration. Et ici, le thème GTK associé, c'est Breeze. C'est-à-dire que si on lance une application GTK, genre GIMP, on va avoir le thème qui sera identique à celui de KDE 5. On a une présentation avec une barre
en haut et une barre en bas qui se masque à la manière d'un dock. Et donc pour les composants utilisés pour Calculate Linux, ce sont KDE Plasma 5.7.5, les KDE Frameworks 5.26.0 et la version de Qt utilisée c'est la 5.6.1. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que toutes les distributions sont en 64 bits. On va passer à la deuxième distribution testée. J'ai nommé la Fedora 24 KDE. Donc là, le temps que... Voilà, la calculette s'éteint. Donc je lance Fedora 24. Tout a été installé en mode BIOS, hein, je tiens à préciser. Donc vous voyez là, comme ça c'est dans la même machine virtuelle, on ne se pose pas la question si le test est biaisé ou non, vu que c'est la même machine. Donc là je me connecte également dans la Fedora, c'est parti, on va regarder le chargement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on note 15 secondes. On note 15 secondes. Au niveau de la mémoire RAM utilisée, on est à 0,66 Go utilisé. Donc là on voit que c'est beaucoup plus que la distribution précédente. Et le processeur oscille entre 0 et 2% également. Voilà. Le thème utilisé, on constate que c'est Breeze, mais dont les couleurs, enfin le contour de fenêtre est aux couleurs bleues pour respecter plus ou moins la charte de Fedora. Voilà, Breeze. Ici, c'est du Breeze, mais avec le contour de fenêtre bleu. Et les applications GNOME, on a Adwaita et Default ici. Donc on aura un thème peut-être pas forcément très homogène. Si on a des applications GTK+, voilà. Et côté composants, donc grâce au KINFO Center, on constate qu'on a un KDE Plasma 5.7.5, les KDE Frameworks 5.26.0 et Qt 5.6.1 de la même manière. On va passer à la distribution suivante. Distribution suivante, Manjaro. Donc la Manjaro 16.08, enfin installée avec l'image ISO 16.08. Version KDE Plasma. Donc c'est parti, on va prendre l'entrée qui va bien. Hop, Manjaro KDE, go! Donc là, on va prendre le temps de chargement de la même manière. Je vais rentrer mon mot de passe. Je vais attendre que mon compteur de secondes ait un chiffre rond pour pouvoir compter plus facilement. Voilà, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 secondes. 11 secondes, donc K6 garde, voilà. Donc au niveau de la RAM utilisée, on est à 0,40. Donc pour le moment, c'est la plus légère. Niveau mémoire RAM, le processeur, lui, il oscille quand même entre 0 et 20%. Allez, on va arrondir à 20% parce que ça fait beaucoup. Donc il est assez gourmand. Si on va dans la table des processus, on voit quand même que c'est l'outil K6Guard ou Plasma Shell qui prennent du processeur. Hein. C'est pas une application autre que KDE. Donc je note bien les 20%. Au niveau de l'apparence, donc c'est Breeze qui est utilisé. Voilà, oula, excusez-moi. Hop, apparence, donc c'est... Non, c'est pas ça que je voulais montrer. C'est l'apparence des applications. Voilà, Breeze qui est utilisé. Avec un décoration de fenêtre Breeze en version noire pour respecter la charte de Manjaro. Et les applications GNOME et GTK ont le thème Maya.
Donc le thème application GTK et Qt seront un peu différents. Côté logiciel embarqué, donc on a KDE Plasma 5.7.5, KDE Frameworks 5.26.0 et on a un Qt 5.7.0, donc un petit peu plus récent que les autres distributions. Donc on va tester la suivante. Alors pour les personnes qui pourraient se dire, mais comment on est sûr qu'il compte bien pour le temps de chargement de KDE, j'ai ici, je vais vous préciser, voilà, j'ai la date ici qui s'affiche toutes les secondes, et donc ça me permet d'être assez précis dans le comptage et que les secondes sont toutes les mêmes. Je ne compte pas comme ça à l'aveuglette de tête. Donc là, je redémarre. Et on va passer à Linux Mint 18. Linux Mint 18 KDE. Donc Mint 18, voilà, parti. Voilà, on va attendre que le tout se charge. Ok. Donc je mets mon mot de passe. Je vais attendre que mon compteur, voilà, 2 secondes, soit à 30 piles, c'est plus facile. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on est à 9 secondes pour Linux Mint 18, pas mal. Au niveau de la mémoire RAM utilisée, on est à 0,47. Voilà. Le processeur, lui, il est entre 0 et 2%. Donc c'est plutôt light. Le thème Breeze est utilisé. C'est le thème officiel KDE5. Oh, ben donc, importance des applications, voilà, Breeze. Décoration de fenêtre, Breeze. C'est respecté. Et les applications GNOME et GTK sont en Breeze. Également, donc on aura un thème homogène. Voilà, voilà. Qu'info Center. Donc avec ça, on va voir les versions utilisées. Donc vous voyez bien que c'est la Linux Mint 18. On a un KDE Plasma 5.6.5, donc un peu plus vieux. KDE Framework 5.23.0, un peu plus vieux aussi. Qt 5.5.1, plus vieux aussi. Et enfin, on va finir par la dernière, qui est OpenSUSE LIP 42. Puisque Mageia 6 est disqualifié du fait de son impossibilité à être installé en machine virtuelle. Donc pour la OpenSUSE, LIP 42 mise à jour, en date d'hier. Aujourd'hui j'ai travaillé, donc j'ai pas eu le temps de mettre à jour, parce que je vais pas avoir beaucoup de temps ce soir. Mais à un jour près, on n'en est pas, c'est pas la mort. Donc hop, je vais attendre que le compteur soit à 0, enfin 40 secondes pile. Hop, voilà, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Donc 10 secondes, voilà, pour OpenSUSE. Donc ce sera peut-être un petit peu plus gourmand le KDE par défaut. Parce qu'on a un dossier du bureau qui est affiché sur le bureau comme extension. Voilà, on a 0,50. Alors, il y a le truc des mises à jour qui s'est mis en route. Donc on va attendre que la mémoire rebaisse. 0,54 adjugé. Voilà. Il y a encore l'outil de mise à jour qui traîne dans le fond là. Non. Non, c'est bon, ça bosse plus. Ok. Donc on va prendre 0,45 comme valeur. Hop, voilà. Le processeur, lui, il oscille entre 0 et 2%. Donc on voit que c'est vraiment pas CPU vore, si je peux dire ainsi. Côté thème utilisé, donc c'est du Breeze par défaut. Décoration de fenêtre, Breeze également. Et les applications GTK respectent le mode Breeze également. Voilà. Et côté KDE,
On va vérifier avec le K-Info Center qu'on est avec un KDE Plasma 5.5.5, donc le KDE est un peu plus vieux. Version de QT 5.5.1, donc plus vieux aussi. Et donc, on n'a pas les infos sur les KDE Frameworks, donc il suffit de lancer une application KDE Frameworks, par exemple la console. Et on va constater que les KDE Frameworks sont en version 5.21, voilà. Donc, je vais arrêter la distribution, la dernière distribution. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Je vais remettre le petit fond d'écran avec le multi-boot de toutes les distributions. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce test? C'est que sur les 1, 2, 3, 4, 5 distributions Linux testées, voilà, que sont Calculate Linux, Fedora, Manjaro, Mint et OpenSUSE, si on devait les classer par ordre de chargement de KDE, on aurait Mint en premier avec 8 secondes, OpenSUSE avec 10 secondes, Manjaro avec 11 secondes, Calculate Linux avec 12 secondes et Fedora 24 avec 15 secondes de chargement de KDE. Par rapport à la mémoire RAM utilisée, le bon élève est Manjaro avec 0,40 Go, donc 400 Mo de RAM, en arrondissant globalement. Ensuite vient Calculate Linux avec 430 Mo. On a OpenSUSE Lib avec 450 Mo, Linux Mint avec 470 Mo, et à la belle dernière, Fedora 24 avec 660 Mo. Côté utilisation du processeur, donc c'est un duel ex aequo entre Calculate Linux, Fedora 24, Mint 18 et OpenSUSE 42 avec un processeur qui est entre 0 et 2%. Seul mauvais élève, la Manjaro qui a un Plasma Shell, qui, enfin un Plasma Desktop, l'environnement de bureau, qui fait bosser le CPU, enfin le processeur entre 0 et 20%. Donc il y a peut-être un petit bug sur la version de KDE. Côté Manjaro au niveau consommation processeur. Sinon, globalement, le thème pour Calculate Linux, pour Mint 18 et OpenSUSE 42 LIP est respecté. C'est le thème Breeze par défaut et les applications GTK ont le même thème. Fedora 24, lui, a Breeze avec un contour de fenêtre bleu pour coller au thème de Fedora. Et les applications GTK 2 sont avec un motif Adwaita et un motif Default pour GTK 3. Manjaro, lui, a un Breeze classique avec un bordure de fenêtre noire pour coller au thème de Manjaro. Et un thème GTK 2 et GTK 3 différent. Voilà ce qu'on peut retenir de ce petit test d'une petite vingtaine de minutes. Donc j'espère que ce test vous aura plu, j'espère qu'il vous aura finalement montré que KDE n'est pas si gourmand que ça, hein, avec pour les meilleures intégrations environ entre 400 et 500 mégas de RAM. Bon, c'est sûr, c'est toujours plus lourd que XFCE qui va prendre 200-250 mégas de RAM au démarrage, mais on a quand même avec KDE Plasma un environnement de bureau très complet par rapport à XFCE. Bon, je prends cet exemple-là, hein, mais voilà, dans XFCE, le gestionnaire de fichiers, il n'est pas tip-top, on n'a pas d'outils de recherche intégrés, on n'a pas d'indexation correcte, il n'y a peut-être pas autant de plasmoïdes, de gadgets, de choses comme ça, de personnalisation de thèmes. Mais bon, KDE est un environnement de bureau très complet, donc c'est normal qu'il soit un petit peu plus lourd puisqu'il y a un certain nombre de services associés qui sont lancés derrière. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !